أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين أتوسياتوت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On remercie vraiment Allah de nous permettre, où que l'on soit, de profiter de ces moments de rappel, de ces moments spirituels qui vont nourrir l'âme et aussi qui vont nourrir notre savoir, puisqu'on a besoin de connaître Allah pour mieux l'adorer. Et qu'Allah nous permette, à travers ce savoir, de mettre la meilleure intention, celle d'être là pour Allah, d'apprendre pour Allah, de se rapprocher, de se réformer. On met l'intention, bien sûr, de se réformer, c'est pour changer, c'est pour évoluer. Et puis, c'est pour faire un petit peu le point avec soi. Le thème que j'ai choisi, ce sont les 7 grands péchés. Vous allez voir, c'est un petit peu long, mais ça vaut le coup de comprendre ce thème, puisqu'il est vraiment, 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 vraiment d'actualité. La création a débuté avec une erreur commise par Adam et Hawa, nos parents, nos premiers parents. Et Allah a voulu que ce soit nos modèles, c'est-à-dire le premier modèle en tant que parent, en tant que couple, il y a eu une erreur. Et Allah lui-même va enseigner à Adam et Hawa la purification à la suite de cette erreur. Demandez pardon à Allah. Donc, le proverbe qui dit l'erreur est humaine, oui, l'erreur est humaine. Mais le repentir est obligatoire aussi. Il fait partie de notre adoration. Et il est même obligatoire parce que c'est Allah lui-même qui a enseigné à Adam et Hawa comment se repentir. Et Allah nous dit dans Sourate Al-A'raf, le verset 23, قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Les deux ont dit, nous avons tous les deux été injustes envers nous-mêmes en commettant cette erreur, en ayant désobéi. Et si tu n'effaces pas nos péchés, on serait alors parmi les perdants. On peut perdre le paradis si on ne se repent pas, et surtout si Allah n'accepte pas. Perdre, c'est se perdre. Perdre, c'est aussi perdre le paradis, et surtout perdre la satisfaction d'Allah, et c'est le plus terrible. Commettre un petit péché, c'est déjà une injustice. Eux-mêmes ont dit, si tu ne nous pardonnes pas alors qu'on a été injuste envers nous-mêmes, eh bien on ferait partie des perdants. Donc, commettre un péché, ne serait-ce qu'un petit péché, parce que c'est ce que Adam et Hawa ont commis, un petit péché, eh bien c'est être injuste envers soi-même. Le thème d'aujourd'hui c'est Al-Kabair. Et Al-Kabira, c'est le pluriel de Al-Kabair, pardon, c'est le pluriel de Al-Kabira, et le contraire c'est As-Sarira. Allah Azza wa Jal nous explique dans Surat An-Nisa le verset 17. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Accepter le repentir revient uniquement à Allah pour ceux qui commettent un mal avec ignorance et reviennent vers Allah très vite. Voilà ceux pour qui Allah accepte leur repentir, et Allah sait parfaitement tout
et il est le sage parfait. Allah Azza wa Jalla nous dit, quand tu te trompes, quand tu commets une erreur, celui qui va te juger, c'est Allah. Rien que ce verset, il peut régler beaucoup de conflits au sein des familles, au sein des couples, puisqu'Allah nous dit « Innama tawbatu ala Allah ». Celui qui accueille le repentir de celui qui a fauté, c'est Allah. Alors cessons, s'il vous plaît, de dire « Il m'a trompé, il m'a trahi, elle m'a blessé, elle m'a trompé, elle m'a trahi ». Non, c'est avec Allah que je dois gérer cela. Accueillir le repentir, regretter, c'est auprès d'Allah, pas auprès de la personne. Libérez-vous de ça. Innama tawbatu ala Allah. Ça revient à Allah d'accepter le repentir. Nous, on cherche des excuses. Oui, mais tu t'es pas excusé pour ce que tu as fait. Oui, mais c'est un péché. Innama tawbatu ala Allah. Libérez-vous de tout ça. Ce sont des fausses croyances. Parfois occidental, parfois, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a entendu de nos parents ou dans la société, ou c'est ce qu'on a lu. On ne peut pas contredire les versets d'Allah. On ne peut pas s'interposer entre la personne et son créateur. Et Allah nous dit, pour ceux qui commettent un mal avec ignorance, certes, j'ai commis un péché. Certes, je me suis trompée. Au moment où je l'ai fait, j'ignorais qu'il y avait l'enfer qui m'attendait. On oublie à ce moment-là. Si on avait conscience de la gravité de l'acte, on ne l'aurait pas fait. Et Allah ajoute, mais il revient très vite. Regardez la rahma et la douceur d'Allah face à un mal commis. Ça peut être une petite erreur, ça peut être une grande erreur. Ça peut être un mauvais comportement, mais reviens. Allah nous dit Yatoubou, thumma yatoubouna min qarib. Très vite, ils se repentent. Ils ne tardent pas. Ils ne se disent pas non, mais c'était rien. Ou bien, ils désespèrent. Voilà ceux pour qui Allah accepte le repentir. Ils se sont trompés, peut-être avec ignorance. Ils reviennent rapidement et Allah accepte. Et Allah sait parfaitement tout. Et moi, je ne sais pas tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour quelle raison. Laissez le dossier péché à celui qui a créé l'être humain et qui lui a autorisé dans les cieux, au paradis, de se tromper. Le verset suivant, donc de sourate An-Nisa, mais le 18, Allah nous dit « وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ أُولَٰئِكَ أَعْدَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Et le repentir ne sera pas accepté pour ceux qui font du mal. Et au moment de la mort, il dit, maintenant je me repens. Et pas à ceux qui meurent en ayant renié Allah. Voilà ceux à qui on a préparé un terrible châtiment douloureux. Allah n'acceptera pas le repentir pour deux personnes. La première, qui toute sa vie s'est amusée, a profité et s'est baignée et s'est noyée dans les péchés, et au moment de l'agonie, au moment de la mort comme Pharaon, « Ah tiens, bah maintenant je vais me repentir. » Pourquoi Allah n'accepte pas? Regardez la douceur et l'amour d'Allah. Parce que c'est un repentir qui n'est pas fait de manière volontaire. Il est fait sous la contrainte. Il est fait sous la contrainte. Ben oui, parce que à ce moment-là, c'est la vérité. El yaqin, que l'au-delà existe, que l'enfer existe, que le tribunal existe.
Et Allah explique, non, à ce moment-là, non. En fait, l'islam, c'est un choix. L'islam, c'est une décision, une prise de décision. L'islam, c'est la soumission durant la vie, pas au moment où on va quitter la vie. C'est avant qu'il fallait le faire. Et Allah explique aussi ceux qui ont renié Allah, ceux qui n'étaient pas musulmans, qui n'ont pas attesté de l'unicité d'Allah, eh bien non, ça ne sera pas accepté. Quelqu'un qui décède sans la soumission à Allah, certes, ça nous fait du mal. C'est vrai que c'est assez triste. Mais Allah ne mérite pas qu'on se détourne de lui. C'est ça qui doit être plus fort, que vous devriez voir en premier. Comment se fait-il qu'Allah m'a créé, qu'il a créé tout cet univers et qu'il a envoyé des signes et qu'on n'est même pas capable d'attester de son unicité et de se soumettre entièrement et avec humilité. C'est ça qui est plus grave. Donc le repentir est un choix. Mais les portes du repentir vont se fermer à tous et à toutes. Vous savez quand? Quand le soleil va se lever au couchant. Le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Le jour où tout se terminera, c'est lorsque le soleil va se lever là où il se couchait. Là, c'est trop tard. Ça peut être vendredi prochain, parce que la fin des temps va arriver un vendredi, ça peut être vendredi prochain, ça peut être à n'importe quel moment aussi, la mort peut arriver. Il ne faut pas penser que la foi, elle est acquise. Il ne faut pas penser que l'islam, c'est une apparence d'abord. C'est une remise en question avant, c'est un lien fort avec Allah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Bashiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru » Encouragez les gens et ne les repoussez pas. Et facilitez la vie aux gens. Ne soyez pas durs avec eux. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai pris ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Encouragez les gens à s'en sortir de leur erreur et surtout arrêtez de le faire, de vous en prendre à votre conjoint. On le fait avec nos conjoints, avec nos enfants, avec nos familles. Oui, mais si tu ne fais pas ça, il y a l'enfer qui t'attend. Le prophète alayhi salam m'a dit encouragez, bashirou, encouragez, motivez les gens sans les repousser. Ça ne donne pas envie. Quand ça ne donne pas envie, c'est à toi de changer. Change ta manière de dire les choses, de faire les choses. On doit être la communauté qui encourage, la communauté optimiste, la communauté qui dit des belles paroles. Sors de là, tu n'as rien à faire dans cette erreur, dans ce péché, tu mérites mieux. Mais nous, on écrase les gens, on méprise les gens. Oui, mais si tu ne fais pas ça, c'est l'enfer. T'écoutes pas, t'obéis pas, c'est l'enfer. Mais ça ne donne pas envie, ça. Et rendez les choses faciles. Yassiru et yusr. Facilitez la vie aux autres. Soyez des éléments motivateurs. C'est très important dans notre religion. Parce qu'on est animé par une peur et il faut s'en débarrasser de cette peur. Les rapprochés d'Allah n'ont pas peur et ne sont pas tristes. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'maluh » Le hadith est rapporté par Tirmidhi quand même. Celui qui se moque de son frère pour un péché qu'il a commis, écoutez ce qui va arriver, il le commettra lui-même à son tour avant de mourir. Eh oui, vous savez, les réseaux, c'est très facile aujourd'hui. L'écran, on est loin des autres, loin du regard des autres. Et les commentaires se font très, très facilement. Eh vas-y, je dis, j'envoie, j'écris, je balance. On ne me voit pas. Il est là le piège de Shaitan. On ne me voit pas, certes, on ne te voit pas, mais on va quand même te voir. Donc, ça ne sert à rien de dire « Ah, t'as vu, elle ne porte pas le voile. Lui, il n'est pas comme ça. Elle fait ceci. » Lui...
Et le hadith, je vous assure, moi, j'ai vérifié tous les hadiths. Hein. Il est rapporté par Tirmidhi quand même. Donc, avant de parler des grands péchés, j'aimerais parler quand même un peu des petits péchés. Parce que c'est ce qui a, en fait, induit en erreur les Bani Israël. Les Bani Israël ont commis tellement de petits péchés qu'ils ont pu arriver à ces grands péchés, à adorer le veau d'or. Parce qu'ils ont... ils n'ont pas été vigilants vis-à-vis des petits péchés. Et quand il n'y a pas le nettoyage et le repentir par rapport aux petits péchés, l'arrivée vers les grands péchés se fait d'une simplicité. Parce qu'on a trop banalisé les petits péchés. Mais c'est rien, mais c'est rien, mais c'est rien. Mais regardez notre époque aujourd'hui. Regardez ce qu'il y a autour de nous, comme l'autre. Dans le train, dans les gares maintenant, dans les transports en commun, dans les supermarchés. Et sans les juger, il y en a, c'est de la passion. Ils sont rentrés dans une passion. Mais il y en a d'autres. Et je les ai en consultation, ils souffrent. Je vous assure qu'ils souffrent. C'est leur épreuve. Subhanallah. Donc, il va falloir s'observer et faire le repentir très facilement et de manière concentrée. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 30, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Si vous vous éloignez des grands et des graves péchés qui vous ont été interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et on vous fera entrer dans une demeure très noble. Allah ici nous demande de nous éloigner des grands péchés. De les éviter. Je vais expliquer quels sont les grands péchés. Et Allah nous dit, quand tu n'entres pas par cette porte, ben j'efface le reste des petits péchés. Et puis, au paradis, on te récompensera. Alors dit comme ça, belle demeure, grande demeure, c'est vrai que c'est simple, on n'imagine pas le paradis. Mais les cadeaux d'Allah sont au-delà de notre imagination. C'est encore plus que ce qu'on peut offrir aux plus riches ou bien à la plus riche personne sur terre. Et dans Sourate An-Najm, le verset 32, Allah nous dit « Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahish illa al-lamam inna rabbaka wasi'u al-maghfira huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard » وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ceux qui s'éloignent et évitent les grands et les graves péchés, et les péchés très laids. En dehors des petits péchés, certes ton Seigneur est d'un large pardon. C'est lui qui vous connaît le mieux, car il vous a créé de la terre quand vous étiez fœtus dans le ventre de vos mères. Alors ne pensez pas que c'est grâce à vous que vous avez pu vous purifier. C'est uniquement lui qui connaît vraiment ceux qui craignent Allah. Au début, Allah nous explique encore une fois ceux qui s'éloignent. Et on est l'époque et la période des grands péchés. Pas des petits, c'est surtout les grands. C'est cette période-là, cette période de trouble, cette période qui s'agite, cette période où on regarde les informations, c'est pour dire on a tué, on a violé, on est dans la misère, on est dans la galère, on est dans la souffrance, le monde entier souffre. Allah nous dit, subhanallah, ceux qui s'éloignent de ces grands péchés et des péchés très laids. Ici, les savants expliquaient deux types de péchés, surtout az-zina, les relations interdites hors mariage,
Et puis d'autres aussi qui sont des grands péchés. J'expliquerai c'est quoi les grands péchés. Et Allah nous dit, si tu t'éloignes de cette porte, en dehors des petits péchés, parce qu'Allah nous a quand même ouvert cette porte, hein, on n'est pas parfait, sinon on serait parfait, Allah nous dit, mon pardon, il est large, 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 juste reviens. Encore une fois, Allah nous veut de la douceur, de la bienveillance. Allah nous considère, on est en train de se tromper dans ces versets. Il nous dit, tu te trompes et je suis là pour t'aider et t'accompagner. Est-ce que vous avez entendu la colère d'Allah ici, jusque-là? Non, on n'a pas entendu la colère. Allah nous dit, fais vite avant que ça soit la fin pour toi, tout simplement. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit, ben, il y en a qui vont tomber dans les péchés qui sont très laids. Les péchés, ben voilà, ce qui va poser problème, qui va causer du tort aux familles, aux couples, il y a des choses qui ne se font pas. C'est tellement laid. C'était hier ou avant-hier, ce pendant-là, j'étais sur Facebook Watch et je regarde quelque chose qui m'a assez choquée, mais bon. En fait, c'est une émission de télé, je crois, américaine. Et puis, la fille qui doit avoir 25 ans, elle embrasse son père. Ils ont des relations intimes ensemble. On en est à cette époque, hein, sur un plateau de télé. Et l'animateur, qui est encore le fritala quelque part, il a lancé un fauteuil, il a lancé une chaise avec colère, il était choqué. Et ensuite, il s'est adressé à la jeune femme, il lui a dit, mais tu sais, un jour, quand tu vas prendre conscience de ce que tu fais avec ton père, quand tu vas aimer un homme, là tu vas vraiment regretter. Et là ça va être terrible pour toi. Enfin quelqu'un qui lui a dit quelque chose. Vous voyez la fêta, on ne la change pas. C'était choquant pour cet homme de voir une fille qui fait ça avec son père. Et là à cette époque, hein, je crois qu'on n'a encore rien vu. Hein. Mazel le chauffe-neige. Hein, on n'a pas encore tout vu. Et Allah nous dit, c'est moi qui t'ai créé. C'est moi qui t'ai accompagné quand tu étais dans le ventre de ta maman. C'est moi qui te connais le mieux. Donc si tu as besoin de te connaître, viens vers moi. Parce que quand tu te trompes, vous savez les parents quand ils disent aux enfants, je vous connais un par un. Hein? Je sais quelles sont vos qualités, je connais vos qualités et vos défauts. Allah, c'est ce qu'il dit. Je connais tes qualités, je connais tes défauts. Je t'ai créé. Et Allah nous dit, hey, votre pureté, c'est pas acquis. C'est pas grâce à vous, si vous vous êtes repenti. Et Allah sait parfaitement mieux que quiconque celui qui s'est repenti et qui craint Allah véritablement. Parce qu'il y a des apparences. Ne soyez pas choqués, s'il vous plaît, quand on voit dans la communauté des personnes. Ah tiens, je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Je ne pensais pas qu'il était comme ça. Voilà, tu ne pensais pas. On n'a pas à penser. On montre tous une apparence. Allah nous dit, c'est moi, je connais mieux que quiconque celui qui craint Allah. Ne soyez pas déçus. Vraiment, quand vous voyez quelqu'un, eh bien, il a rétrogradé dans la religion. On invoque Allah pour lui ou pour elle, tout simplement. On ne peut pas prendre la place d'Allah et juger qui que ce soit. Les petits péchés, Al-Lamam, qu'Allah mentionne, eh bien, ce sont des petits péchés dont le prophète A.S.A.M. a dit qu'ils s'effacent d'une prière à une autre. Regardez les vertus de la prière. Dès qu'on... Dès qu'on prie, Iqamat al-Salat, ceux qui accomplissent, voilà. Dès qu'on accomplit la prière, c'est plus juste. Eh bien, subhanallah, avec les ablutions aussi. Mais c'est bon, c'est pas obligatoire de faire ces ablutions à chaque fois, mais c'est mieux, ça nettoie. Eh bien, Allah nous dit d'une prière à une autre, j'ai effacé les petits péchés. Allahu Akbar, ça me motive, ça y est, moi, quand je me suis remémoré le hadith du prophète, le saint-homme, j'ai dit encore une rahma. Encore une douceur d'Allah. Encore une bienveillance, d'une prière à une autre. Et on doit se dépêcher, on ne doit pas tarder. Parce que si on tarde, on néglige, on est dans un péché. Vous voyez,
L'islam apporte la paix. Cette religion, elle apporte vraiment la paix. Et en fait, les savants expliquaient que les petits péchés aussi, c'était sans qu'Allah ait mentionné un châtiment dans le Coran, ou bien une sentence. Had min hududillah. Alors, les grands péchés, les savants ont expliqué que c'était tous les péchés cités dans le Coran avec un châtiment, avec un had, et aussi avec une malédiction. Ça, ce sont les grands péchés. Et le prophète va en citer quelques-uns dans deux hadiths, même dans d'autres. Je ne sais plus quel compagnon, je crois que c'était Abdallah ibn Mas'ud ou ibn Abbas qui disait on peut aller jusqu'à 700 péchés. Grands péchés, 700 grands péchés. Et les savants en ont conclu que tous les péchés cités dans le Coran avec le châtiment de l'enfer, avec la malédiction d'Allah, eh bien c'était cela les grands péchés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit évitez les sept grands péchés. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Les compagnons ont dit, et quels sont-ils ces sept grands péchés? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique. Ash-shirku billah, associé à Allah. La sorcellerie, tuer une âme de manière injuste. Consommer le riba, consommer l'argent des orphelins, prendre la fuite au moment du combat et dire du mal des femmes musulmanes pures. Et on va décortiquer tout ça. Dans un deuxième hadith, le prophète والسلام, nous explique qu'il est rapporté par Al-Bukhari. Voulez-vous connaître les plus grands péchés? Et les compagnons ont répondu « Bala ». Ya Rasulallah, certes on veut savoir. Et il explique, associé avec Allah, faire du mal à ses parents. Il était allongé et il s'est redressé. Et il a dit, et la parole qui fait du mal, qawl zour, wa shahadat zour, le faux témoignage, et il répète une deuxième fois, qawl zour, wa shahadat zour, et il n'a cessé de les répéter, a dit le compagnon. Il n'a cessé de les répéter jusqu'à ce que je me suis dit, il ne va pas s'arrêter. On est dans cette époque de tous ces grands péchés. Et oui, Allah nous a demandé de les éviter, de ne pas s'en approcher. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous explique. Ash-shirku billah. Les versets s'adressent à la communauté musulmane, les hadiths s'adressent à la communauté musulmane, et Allah a maintes et maintes fois mentionné Ash-shirku billah fil Qur'an. D'ailleurs, Luqman al-Hakim, cet homme sage, ce papa, va dire à son enfant, comme nous, on pourrait l'expliquer aussi à nos enfants, à nos ados. La tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim, surat Luqman, verset 13. La tushrik billah, n'associe rien avec Allah. Allah seul mérite d'être adoré. Tu as besoin uniquement de lui. Tes parents ne sont qu'un moyen. La prière n'est qu'un moyen. Cette vie n'est qu'un moyen. Les gens ne sont qu'un moyen. Ton travail, tes diplômes ne sont qu'un moyen. Et je parle à tout le monde en même temps aussi. Ne dis pas, c'est grâce à un tel que j'ai pu avoir mon bac. C'est grâce à un tel que j'ai pu avoir cet emploi. C'est grâce au chien qui a monté la garde de la villa, sinon on aurait été cambriolé. Mais on dit, c'est grâce à Allah. Donc ici, Ashuk, on parle en fait d'associer une force de quelqu'un ou de quelque chose à celle d'Allah. On a mis quelque chose au même niveau ou quelqu'un au même niveau qu'Allah.
Ça s'appelle le shirk. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'ostentation, le m'as-tu vu. Les actions qu'on fait, regarde-moi. Même quand on poste quelque chose dans les réseaux, je le fais pour Allah. Fais-le pour Allah. Ça va éviter les snaps. Ça va éviter les photos et les vidéos à gogo. Ça va éviter tout ça. Tu le fais pour Allah ou tu le fais pour toi pour qu'on dise. Oui, cette ostentation, elle a un prix. Donc il va falloir nettoyer son téléphone, avoir une autre approche des réseaux sociaux. L'ostentation, c'est rechercher le regard des autres, rechercher les projecteurs des autres. Et ensuite, dans le shirk, on y met aussi la dépendance affective. Les gens pour qui certaines personnes sont leur source de bonheur. C'est-à-dire, ils ont lié leur bonheur, attaché leur bonheur à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça devient du shirk. Sans ma mère, je ne peux pas vivre. Sans mon père, je ne sais pas comment je vais vivre. Sans mes parents, sans mon mari, sans mon conjoint, sans mon épouse, sans mes enfants, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je ne sais pas le jour. Qui fait ? Et on ne sait pas quand Allah, mon bonheur, il est auprès d'Allah. À partir d'aujourd'hui, c'est lui mon bonheur. Si mes proches devaient partir, si mes proches devaient rejoindre mon Créateur, notre Créateur, Alhamdulillah, la vie, elle continue. Certes, on a, Alhamdulillah, ses larmes pour se soulager, mais pas pour souffrir. Les larmes, ça n'est pas pour souffrir, c'est pour se soulager. Et il est très important de bien comprendre cette notion. Détachez-vous de vos proches. Je ne dis pas qu'il faut rompre. Je dis au niveau de la dépendance, le bonheur. Les gens ne sont qu'un moyen. Tout n'est qu'un moyen. Lire le Coran est un moyen. Venir à cette conférence, ça n'est qu'un moyen. Prier n'est qu'un moyen pour se rapprocher. Mon bonheur, il est auprès d'Allah. Quand l'âme souffre, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Tout simplement. Et puis aussi, vous avez des personnes qui vont suivre leur ego. Les moi-je. Allah Azza wa Jal explique dans Surat Al-Jathiyah, le verset 23, « Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa » N'as-tu pas vu celui qui a pris son ego ou ses passions comme divinité ? Al-hawa, ce sont les passions, les péchés. Vous voyez, les gens qui se noient dans le péché, qui suivent leur ego, Allah nous dit qu'ils sont dans le shirk. Parce qu'ils ont donné trop d'importance à eux-mêmes, aux autres, à certaines choses. Il y en a même qui adorent la religion. Ils n'adorent pas le Seigneur de la religion, ils adorent la religion elle-même. Et qui sont là à juger les autres. Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Mais dans ce que tu fais, tu es en train de juger. Et ils se servent de la religion pour justifier leurs erreurs, pour se cacher de leurs erreurs. Vous comprenez ? Donc, il faut vraiment une mise à jour, une remise en question, pour pouvoir savoir est-ce qu'on est encore sur le droit chemin, le bon chemin ou non. Ça, c'était le premier grand péché. Et c'est très grave. Hein ? Le deuxième... Le prophète a expliqué tuer injustement. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa, le verset 92, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et celui qui tue un croyant de façon, de manière volontaire, alors sa récompense sera l'enfer, où il vivra éternellement, et Allah sera en colère contre lui, et Allah le maudira, et lui réservera un immense châtiment. Regardez comment l'âme du croyant est très précieuse. D'ailleurs, le prophète, lorsqu'il a fait le voyage, l'Isra wa al-Mi'raj,
il a vu la femme qui a fait du mal à une chatte. Il l'a vu en enfer. Il a vu une dame, une femme, une musulmane qui a fait du mal à une chatte. Le chat, c'est un animal domestique qui vit avec nous à la maison. Alors si un chat, pour un chat, une femme est allée en enfer et elle ne l'a pas libérée, qu'en est-il du croyant? C'est très grave. Et on est à l'époque où on tue facilement. On entend par-ci des attentats et par-là des meurtres et des crimes. Ça tue de partout et on tue facilement. Et de plus en plus jeunes, des personnes de plus en plus jeunes, des crimes gratuits. On est vraiment dans cette période de trouble. Ayyam sabr. Le prophète Aïssa les a appelés Ayyam sabr. Viendra une époque Ayyam sabr, les jours de la patience. Et il a expliqué qu'est-ce que c'était que ces jours de la patience. On est en plein dedans. Ce sont les jours où le sang va couler. Et c'est pas fini. Le prophète Aïssa a dit: le croyant aura la récompense de 50. Les compagnons ont dit 50 hommes, 50 personnes de notre époque ou de leur époque? Et le prophète a dit non, 50 personnes de notre époque, c'est-à-dire l'époque de Rasulullah et de ses compagnons. Celui qui patiente et qui adore Allah. L'adoration, une adoration, la salat de chacun, c'est l'équivalent de 50 compagnons qui prie. On est en plein dedans. Il y a quelques jours, il y a eu un attentat en Turquie. On rentre dans les mosquées, on tue. Dans les pays, on tue. Il y a la guerre de partout. Il y en a qui disent leur nom, il y en a qui ne disent pas leur nom. Vous comprenez ? Ayyam sabr. Et ici, dans le verset, Allah nous dit « Mu'minan, man qatala mu'minan muta'ammidan » un crime, un homicide volontaire. L'âme du croyant, wallah, elle est chère. Regardez comment Allah donne de la valeur aux croyants. Pourquoi alors chercher notre valeur auprès de quelqu'un d'autre? La valeur, elle est auprès d'Allah. Il a dit, quelqu'un qui tue un croyant, regardez la récompense, le châtiment, l'enfer éternel, la colère d'Allah, la malédiction. Et Allah nous dit, et un châtiment, pas qu'un châtiment, immense, pour avoir commis un crime, un homicide volontaire. Et il y a, par exemple, aussi des époux, des épouses qui tuent leurs conjoints, ou des parents qui tuent leurs enfants, ou des enfants qui tuent leurs parents, malheureusement. Seigneur, j'ai transmis le grand péché du shirk. Seigneur, j'ai transmis le péché de tuer. On est au courant. On ne pourra pas dire le jour du jugement, je ne savais pas. Nous savons et on doit, subhanallah, nous conformer à notre religion. Troisième grand péché aussi qui nous guette, qui est là, présent à côté de nous, la sorcellerie. Eh oui, la sorcellerie. On va vivre les hadiths avec le prophète, alayhi salatu salam, et on va comprendre. Parce que la sorcellerie, elle s'est banalisée aussi. Le shirk s'est banalisé. Tuer s'est banalisé. La sorcellerie s'est banalisée. Il y a des pays de l'Afrique où c'est du commerce, c'est normal, c'est fait partie du quotidien que de se servir de la sorcellerie pour arriver à ses fins. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu salam a dit: celui qui se rend chez un médium ou un sorcier et lui pose la question, qui demande des renseignements et croit en sa réponse, alors il aura totalement renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc
le médium qui voit l'avenir, le voyant qui peut voir le passé, le sorcier qui pratique la sorcellerie. Le prophète alayhi salam nous a dit le déplacement, la question, croire en la réponse, tu as renié le Coran. Et ça se fait dans nos pays, hein. Ça se fait ici en France, en Belgique, ça se fait de partout, l'Afrique noire, de partout. J'ai eu une sœur un jour qui m'a contactée en me disant « Oui, Samah, je n'aurais jamais pensé qu'elle allait le faire. » J'ai senti qu'elle était pas bien. Je dis « Qu'est-ce que t'as ?» Elle me dit « Samah, je suis allée accompagner une amie, voir un marabout. » Je lui dis « Mais tu sais ce qu'est quoi un marabout ?» Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Non, non. » J'étais choquée, moi. Je lui dis « Attends, un marabout, c'est quoi ?» Elle me dit « C'est un sorcier. » Je lui dis « Allez voir un sorcier, pourquoi ?» Donc elle est partie avec son amie. Vous voyez, rien que le fait d'accompagner. C'était pour son amie, elle s'est retrouvée, enfin, elle aussi elle a consulté, elle a demandé, il lui a demandé 1000 euros, plus 1000 euros, plus 1000 euros, elle a dit je me suis retrouvée avec 10 000 euros de dette. Muslima Boutahadjiba, 10 000 euros de dette. Pour être encore pire qu'avant. Vous voyez ? Eh oui, faites attention, tout ceci, là je vous le dis, ça va vous choquer, mais peut-être dans la vie de tous les jours, si on vous en parle à un moment donné, si vous êtes faible, vous n'allez plus être choqué. Système immunitaire défaillant. Donc, le prophète, alayhi salam, est très clair, médium, voyant. Tous ceux qui sont dans ce monde des étoiles, des chayatines, des djinns, c'est interdit, que ce soit au bled ou que ce soit ici, là où on vit. C'est interdit de partout. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Celui qui se rend chez un voyant ou un médium et lui demande des choses, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. » Là, il s'adresse à nous, la communauté. Hein. On ne parle pas des non-musulmans, on parle de nous. Hein. Donc, il sait que sa communauté va consulter. Donc, il parle aux musulmans, il parle des musulmans, il parle de la prière qui ne sera pas acceptée. Ça veut dire que pendant 40 jours, je suis dans le péché. Le compteur péché tourne. C'est pas un jour, c'est pas 5 jours, c'est pas 15 jours, c'est pas 20 jours, c'est pas 30 jours, c'est 40 jours de salat non accepté. Il ne faut pas oublier ce hadith du prophète alayhi salat wa salam. Et j'ai en consultation des filles qui me disent ma mère consulte ou ma mère est dedans. Mon père consulte ou mon père est dedans. Attention. Là, on n'y peut rien. Mais attention à tomber dedans. Parce que parfois, c'est les proches. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui fait de la sorcellerie. » Écoutez bien, parce que c'est le hadith qui concerne notre communauté. Hein. Il ne parle pas aux non-musulmans. « Celui qui fait de la sorcellerie et qui demande qu'on lui prépare de la sorcellerie. » Les deux. Celui qui fait et celui qui demande. Et celui qui fait un nœud ou demande à ce qu'on fasse un nœud, et celui qui consulte un médium et le croit dans ses paroles, alors il a totalement renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne encore plus de détails. Celui qui pratique la sorcellerie ou celui qui demande qu'on pratique pour lui pour faire du mal à quelqu'un. Séparé dans un couple, séparé entre un enfant et son parent, entre un parent et son enfant, pour que quelqu'un ne réussisse pas. Voyez ? Et il nous dit, même quand, parce que Allah Azza wa Jalla parle aussi des nœuds. Allah en parle, dans le Coran, les dernières sourates. Allah a terminé le Coran avec le mal des gens, avec le sihr des gens, avec la magie des gens. Donc il faut vraiment s'en protéger. Ça n'est pas anodin que Allah en ait parlé.
Il faut absolument se protéger. Ne vous étonnez pas un jour si vous tombez malade, si vous ne vous protégez pas. Au Fajr et au Asr, les trois dernières sourates, il faut les réciter. Dans ses mains, souffler, essuyer tout son corps. C'est comme ça que le prophète faisait avant de dormir. Il faut se protéger. Wallahi, c'est un conseil du fond du cœur. Protégez-vous, protégez-vous. Et après, ce qui doit arriver a déjà été écrit par Allah. Ça, on ne peut pas l'en empêcher. Mais j'ai le devoir de me protéger, d'apprendre à mes enfants à se protéger. Protégez vos couples. Et celui qui consulte, le médium, le voyant, et puis on peut consulter à distance, hein, je crois. Je sais que maintenant, dans Groupon, il y a des consultations à distance et tout est devenu facile. Voilà, l'astrologie, tout a été facilité. Shaitan aussi, il a évolué en technologie. Hein. Ah oui, il a évolué, hein. Il sait comment nous arnaquer. Seigneur, j'ai transmis. Protégez-vous. Protégez-vous. Même si ça s'est passé. Parce que je sais que parfois en consultation aussi, on m'explique, oui, mais avant, j'y allais avec ma mère, c'est elle qui m'a dit, viens, on y va. Ou avec ma tante, on se repent. L'essentiel, c'est de se repentir. Même si on était dans cette pratique-là, on se repent. On a peut-être consulté, on se repent. L'essentiel, c'est de revenir. Allah nous a dit que son pardon, il est très vaste. Alors, on revient. Le quatrième point. Arriba. Je parlais avec un avocat dans un de mes séminaires. Il m'expliquait, il me dit, Samah, tu sais, tout est fait avec riba. Les routes, les constructions, des infrastructures, on achète tout avec riba, parce que c'est un avocat dans les finances. Les pays en voie de développement, les pays qui ont évolué, tout est fait avec le riba. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 78 et le verset 279? C'est la page 47. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Vous qui croyez véritablement en Allah, craignez Allah et laissez de côté tout ce qui concerne le riba si vous êtes de véritables croyants. Et si vous ne faites pas cela, et si vous n'écoutez pas, alors annoncez, déclarez une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, alors revenez. Et vous aurez le capital de votre bien sans être injuste ou subir une injustice. Je vais répéter, c'est très clair. Vous qui croyez, craignez Allah. Allah parle à ceux qui ont la foi. Il nous demande de le craindre, c'est-à-dire de s'éloigner de toute désobéissance et de rester sur le chemin de l'obéissance. Laissez de côté tout ce qui concerne le riba. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَ. Mettez tout ça de côté, n'y pensez même pas. Et Allah ajoute, si vous êtes de véritables croyants. إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Le croyant ne s'approche pas de riba. Ça ne fait pas partie de ses projets. Et Allah explique, et si vous tombez dedans, alors une guerre sera déclarée par Allah et son prophète. On ne peut pas être plus clair dans l'explication de ce verset. Je sais qu'il y en a qui regrettent.
il y a soit la pression du conjoint, quand je dis conjoint, c'est homme et femme, il y a la pression des parents, je le sais, il y a une pression aussi de la société, celui qui n'a pas acheté, il est mal vu aujourd'hui. Vous voyez comment en 20 ans, les choses se sont retournées. Avant, c'était purement haram et aujourd'hui, on ose. Et Allah nous dit, et si vous vous repentez, la porte du repentir est ouverte toujours avec Allah. Le soleil ne s'est pas encore levé au couchant. Mais demain, je ne sais pas s'il va se lever au couchant. Et Allah nous dit, alors vous aurez le capital de votre bien. Vous aurez encore votre bien sans subir d'injustice, mais vous garderez le repentir. At-tawba ila Allah. Même si on est tombé dedans, ça fait partie des 7 grands péchés. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette conférence. Les 7 grands péchés. Arriba, le prophète alayhi sallam l'a mentionné. Peu importe les avis religieux. Le prophète alayhi sallam a dit Wabisa, ya wabisa, istafti qalbak. Walaw aftawka an-nas wa aftawk. Interroge ton cœur, consulte ton cœur, même si les gens t'ont donné leur avis. Parce que le bon choix, l'obéissance, c'est lorsque ton cœur est apaisé. La mauvaise décision, le péché, l'erreur, c'est quand ton âme est agitée. Elle n'a pas la conscience tranquille. C'est ça l'erreur. Maintenant, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. Le prophète me dit « Bashiru ala tunafiru » Annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire encourager les gens, mais ne les repoussez pas. Donc ici, quand on entend ces versets, c'est pour dire, rattrape-toi, corrige-toi avant que ça soit trop tard. Seigneur, j'ai transmis. Le cinquième point, le cinquième grand péché, c'est prendre l'argent des orphelins. Et oui, si ici le prophète l'a mentionné, et même Allah l'a mentionné, le Coran, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins à qui on prend leur argent. On leur vole leur argent, on vole l'argent des faibles. C'est trop facile. Mais Allah se charge de ceux qui s'en prennent à ses enfants ou à ces personnes faible. Allah nous dit dans sourate An-Nisa, le verset 10, innal ladina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui consomment l'argent des orphelins de manière injuste, ceux qui prennent de l'argent des orphelins de manière injuste, ils mangent du feu dans leur ventre et ils seront bientôt dans les flammes du feu de l'enfer pour y goûter son châtiment. Ça, c'est un grand péché. Il y a un acte où je fais du mal à quelqu'un suivi d'un châtiment en enfer. Al-Yatam, les orphelins. Les orphelins, il y a les orphelins aussi des temps modernes. Les enfants issus d'un divorce, dont le parent, surtout le père, hein, qui en a la charge, ne subvient pas aux besoins. On dirait qu'ils n'ont pas de père. C'est les enfants orphelins des temps modernes. Et oui, il y en a, ils refusent de verser la pension, sous prétexte que c'est madame qui va prendre l'argent. Mais même si c'est moi qui prends l'argent, fais ton devoir vis-à-vis des enfants. Moi, c'est entre moi et Allah. Combien d'enfants ont été privés comme ça d'un père qui ne subvient pas à leurs besoins. Et on veut que cet enfant fasse des doigts pour nous. Mais vous laissez une génération frustrée, en colère, triste, qui a du mal à s'en sortir. Allah zulm. Allah nous dit, tu as pris injustement son argent. Il ne faut pas que le désaccord des adultes, des parents, du couple, qui devient un couple divorcé,
que ça devienne une affaire d'État, que ça devienne une source de conflit qu'on prenne les enfants en otage. Ça n'est pas juste. Allah nous dit, vas-y, prends l'argent. Prends l'argent des orphelins. Mais c'est dans ton ventre que ça va se passer. Nar. Innama ya'kuluna fi butunihim nar. Les savants expliquent que sur terre, on paye dans l'au-delà. Il faut se remettre en question. Ça fait partie des 7 grands péchés. Et ceux pour qui se sont remariés et qui vivent avec des enfants de l'autre conjoint, considérez-les comme des orphelins. C'est la plus belle clé du paradis. Voyez, haqqul yatim, le droit de l'orphelin, il faut le préserver. Ça fait partie des 7 grands péchés, il faut se remettre en question. 6e grand péché, prendre la fuite au moment du combat. Ici, al-firaru yawm az-zahf, à cause de la peur, le combat. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un autre combat. On n'est plus dans le combat avec les armes quand on vit en communauté. Il y a des pays qui sont en guerre. Et puis, il y a des musulmans qui sont persécutés, les Rohingyas, les Birmans, le Chem. Voilà, il y en a qui sont persécutés. Mais il y a une autre forme de guerre aujourd'hui, celle qui ne dit pas son nom. Celle où on persécute les musulmans. Alors j'aimerais m'attarder sur un petit truc. Quand je sais que mon frère ou ma sœur subit une injustice de la part des non-musulmans, même si moi je suis en désaccord avec ses manières de penser, ça je le mets de côté. Mais si elle subit une injustice, ou si lui subit une injustice, je dois le soutenir. Mettons nos désaccords de côté. Parce que là, on prend la fuite. Il y a une guerre qui est déclarée contre l'islam et les musulmans. On ne peut pas s'en cacher. Mais je ne prends pas la fuite quand il y en a un qui est touché, qui est blessé. Quand il y en a un qui en a fait du mal. Il faut voir à long terme. Et de se dire que quand il y en a un qui est blessé, demain ça va être moi. Moi plus toi, c'est la communauté entière. On doit être soudé quand on est face à une attaque comme celle-ci. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Unsurahaka zaliman aw madlouman » Il subit une injustice, tu le soutiens, tu es là auprès de lui. Et quand il se trompe, ben, tu lui montres son erreur. Mais dans les deux cas, je dois être là, je ne dois pas prendre la fuite. Nous, on prend la fuite et on juge les autres. On doit rester solidaire. Ça fait partie des 7 grands péchés que le prophète a annoncé. Quand on ne soutient pas la communauté. Al-firaru yawm az-zahf. Et on est dans cette époque. Il faut comprendre les hadiths, pas au pied de la lettre. Parfois, il faut y regarder aussi. Il faut jeter un coup d'œil, mais avec le sens figuré. Notre époque, elle est comment par rapport à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une autre manière d'être et de vivre, mais qui se ressemble, on n'est pas loin. Donc, rester solidaire, défendre les faibles, et puis, Allah Azza wa Jalla nous dit « Inna Allah yudafi'u an alladhina amanu » Allah protège et défend qui ? Ceux qui ont la foi. Alors pourquoi moi je viens juger mon frère ou ma sœur qui subit ? L'islamophobie est de partout. De partout. Elle va s'étendre encore, c'est pas fini. Si on n'est pas solidaire, c'est ça le combat aujourd'hui. C'est l'islamophobie. Mais c'est à nous aussi d'être les meilleurs modèles. De donner envie aux non-musulmans. De nous apprécier, de nous accepter. Voyez, on a tous un rôle à jouer sur cette terre. Dans n'importe quelle terre, on a un rôle important à jouer. Et aussi, à la bataille de Hunayn, les musulmans qui étaient très nombreux, 12 000 face à des non-musulmans qui étaient du nombre de 4 000, ils pensaient que parce qu'ils étaient nombreux qu'ils allaient gagner la bataille.
Allah va les tester. Ils ont failli la perdre. Sur les 12 000, seuls 10 sont restés quand l'ennemi a débarqué par surprise. 12 000 moins 10. La bataille de Hunayn est très connue. Mais aujourd'hui, on est 12 000 moins 10. Hein. On est vraiment 12 000 moins 10 aujourd'hui. Il y en a un à qui on lui fait du mal, il y a une injustice, on ne le soutient pas. Là, on ne le soutient pas. Pourquoi ? Oui, mais il a dit ça un jour, elle a dit ça. Mais ça, ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas, ça. Allah nous dit, il protège ceux qui ont la foi. Du moment qu'il a la foi, je le protège. Je le soutiens. Qui fait en oublier le khir ? D'ailleurs, Iblis, il a promis à Allah de nous attaquer. Et il nous a dit, pendant là, tu verras, la plupart, tu vas les trouver ingrats. Ingrat, ça veut dire on oublie que le rire faisait partie de cette personne. Elle a fait du bien, elle a fait du rire. Mais nous, on est dans une époque où on oublie totalement le rire, on retient que un mal. Mais on n'a pas le droit. Là, on prend la posture de juge. Et le septième et le dernier point, et celui-là, subhanallah, on est encore dans cette époque avec ce point-là. On est en plein dedans. Peut-être moins en Belgique, mais en France, on l'est. Toucher à l'honneur d'une femme musulmane. Regardez, quand on veut attaquer l'islam, on l'attaque comment ? Hijab. On touche à l'honneur de la femme. On veut l'attaquer, elle. C'est plus facile, c'est plus voyant. C'est la personne à abattre, elle est faible. Et d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il va préparer une armée face à deux Bani Israël qui se sont amusés avec le vêtement d'une femme. Elle était dans un hanout et ils lui ont fait du tort. Elle s'est un peu découverte. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est parti défendre cette femme. Il a levé une armée. Ils se sont préparés pour aller combattre Ben Israël. Vous voyez ? Ça, c'est une histoire qu'il faut retenir. On attaquera. Mais c'est à nous d'être fiers de notre religion, d'avoir une belle estime de soi, d'avoir confiance en soi, en notre hijab. Il faut qu'on le porte d'une manière déterminée. Je suis musulmane, oui, alors. Je suis fière d'être musulmane. Il y a un souci ? Mais à l'intérieur, c'est la ferveur. J'aime ma religion. J'aime mon Seigneur. Je n'ai besoin de personne, sauf d'Allah. Un amour propre pour soi. Depuis tout à l'heure, on parle des versets et des hadiths, la valeur du croyant. Allah nous considère, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Et tant qu'on gère cette peur à l'intérieur, les autres, c'est eux qui vont se soumettre. Ils vont s'éloigner. Mais si la peur, elle est en nous, on est une proie facile. C'est à nous de bien ancrer la confiance en soi, et avant la confiance en soi, l'estime de soi. Se donner de la valeur. J'existe. Tu n'as pas le droit de dépasser une limite avec moi. J'ai fait un choix. Je t'accepte toi comme tu es, alors tu m'acceptes comme je suis. Ici, ça fait partie des 7 grands péchés que de toucher à l'honneur d'une femme musulmane. Qu'en est-il dans les réseaux sociaux ? Qu'en est-il aussi des pères qui font du mal à leurs filles ? Des frères qui font du mal à leur sœur, des hommes qui font du mal à leur épouse, et il y en a qui vont aussi les accuser de relations interdites ou d'avoir regardé des hommes. L'honneur d'une femme ne se touche pas. Et ce septième point, il doit vraiment augmenter ma izza, ma dignité. Ah oui, Allah a voulu que, à travers la sallallahu alayhi wa sallam, le septième grand péché, c'est de toucher à l'honneur d'une femme, musulmane, pure et croyante. On n'est pas fiers d'être musulmane, là, à ce moment-là. C'est pas un petit péché, c'est un grand péché.
Allah a vraiment donné une grande valeur à la femme. Tous ceux et toutes celles qui disent oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Et j'ai pas besoin de le justifier aussi. Ici, encore une fois, la femme musulmane, elle a une place d'honneur. Alors tous ceux qui vont faire du mal à qui que ce soit, une fille, une épouse, une mère, une croyante, Allah considérera leur acte comme un grand péché, un péché très grave. On a fait un petit peu le tour des 7 grands péchés. Il n'y a pas que ces 7-là, ont dit les savants. Ils ont dit tout péché qui était mentionné dans le Coran, avec un châtiment, avec une malédiction. Et ne pas minimiser les petits péchés également, parce que Adam et Hawa ont commis un petit péché. Attention à minimiser les petits péchés. Il ne faut pas voir les péchés, mais il faut voir la grandeur d'Allah. Aussi, parce que un petit péché aussi, c'est très grave d'avoir désobéi à Allah. Le repentir est obligatoire. Il est vraiment obligatoire, se repentir. Ça permet de se nettoyer, ça permet de se purifier, ça permet de protéger sa foi, ça permet de protéger son cœur, ça permet de rester sur le droit chemin. Le lavage, purifier, c'est comme les vêtements qu'on lave, les assiettes qu'on lave, le linge qu'on lave. Notre âme doit être lavée. Si on n'a pas lavé notre âme de ses péchés, elle est frustrée. Et c'est comme les lunettes, hein ? Quand elles sont sales, on a du mal à voir. Ben c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et Allah nous a demandé de protéger notre cœur. Il nous a donné un cœur pur à la base, et on doit revenir auprès d'Allah avec un cœur pur et purifié. Le plus important, c'est de revenir à chaque fois, de se repentir pour éviter de se sous-estimer. Et Allah Azzawajal nous dit aussi, concernant les femmes musulmanes, sourate An-Nur, le verset 4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Regardez comment Allah parle de la femme musulmane. Et ceux qui accusent les femmes pures et ne viennent pas avec 4 témoins, alors fouettez-les par 80 coups de fouet. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et voilà ceux qui ont dépassé les limites. Et on peut s'en prendre à une femme musulmane aussi dans les réseaux sociaux. On balance une vidéo, on fait du mal aux femmes, c'est très grave. Ou d'accuser, il n'y a pas longtemps en France, je ne sais plus où c'était, mais en tout cas dans les réseaux, parfois je me perds. Une personne qui a accusé une aide-se-mariée, elle a accusé sa femme en public d'avoir eu des relations en mariage. Qu'est-ce que tu fais ça pour ne pas citer la personne, hein, j'ai pas envie de lui faire de la pub. Ici, Allah défend la femme. Il y en a un qui accuse une femme sans 4 témoins. Il faut absolument que les 4 témoins. Et les 4 témoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en ayant vu l'acte. Les 4 ensemble, et en ayant vu comme le fil qui entre dans le chat d'aiguille. Le prophète Asatana, par pudeur, il explique carrément, il donne des détails. Il dit, donne-nous le détail là. Les 4 témoins, ils donnent le détail. Les 4 en même temps. Et ici, c'est 80 coups de fouet. On ne touche pas à l'honneur d'une femme. On n'a pas à dévoiler. On peut faire des erreurs. Ça reste secret. D'ailleurs, le prophète nous dit, il sera pardonné à toute ma communauté, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés, qui parlent. Maintenant, c'est devenu hajj mliha. C'est devenu quelque chose de joli, de bien, de beau, de se vanter de son péché. On se filme, on poste, on... Attention à cette caméra qui tourne. Attention à ce portable qui filme. Attention aux photos. Ne prenez pas le risque, même dans un couple. Faites attention. Ça ne sert à rien à l'air une caméra.
on ne prend pas de risque aujourd'hui. Parce que parfois, ça peut rester dans le téléphone et sans faire exprès, il y a un message qui part à quelqu'un, on envoie, j'ai reçu parfois une fois un message par erreur. Ça peut, un enfant qui joue avec le téléphone, il trouve et boum, on ne prend pas de risque. Et Allah nous dit, je vais terminer avec ce verset de sourate Zumar, le verset 53, Allah nous dit, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Allah nous dit, mes serviteurs, dis mes serviteurs à moi, mes serviteurs, c'est très beau, c'est très noble, c'est très doux. Et il s'adresse encore à nous avec considération, il nous dit, vous avez commis des péchés, vous avez été injuste envers vous-même, ne désespérez pas de la rahma d'Allah quand vous vous trompez. Parce qu'Allah pardonne tous les péchés. À partir du moment où on regrette, Allah pardonne tout. Celui qui te dit non parce que tu as recommencé, ou celui qui te dit non parce que c'est trop gros. Non. On ne peut pas contredire ce verset. Allah nous dit, ne désespère pas. Ne te dis pas, Allah est en colère contre moi, il ne va jamais accepter mon repentir. La taqnatu min rahmatillah. L'ordre est donné. Et Allah pardonne tout. Tout. Absolument tout. Et c'est celui qui pardonne toutes sortes de péchés. Et il a beaucoup de rahma envers ses serviteurs. Subhanallah. Ce thème, il est à la fois intéressant, le fait de connaître les différents grands péchés, mais il est à la fois, subhanallah, d'une douceur, parce qu'Allah nous dit, rattrape-toi, corrige-toi, reviens. Voyez, c'est une lueur d'espoir. Tout le monde se trompe, mais c'est entre moi et Allah. Tu n'as pas à me juger. Et ça, c'est une lueur d'espoir. C'est à nous de dire Alhamdulillah que je suis musulman, Alhamdulillah que je suis musulmane. Seigneur, pardonne-moi. L'erreur a commencé dans les cieux. Elle est là sur terre. Peu importe qui je suis, peu importe ce que j'ai fait, je reviens. Parce qu'Allah mérite d'être adoré. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Seul Allah mérite d'être adoré. J'ai le droit à l'erreur, mais j'ai le devoir de revenir et de me repentir. Barakallahu fikum. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin.